Eh bien, salut à tous, c'est Etienne, on se retrouve sur Genshin Impact pour un event, hein, un nouvel event qui arrive. Donc, si on regarde ici, on a. Non, c'est pas celui-là, c'est Chasse au Géosaur, donc qui va durer 7 jours également. Et on va pouvoir, du coup, chasser. Hein, et on a 4 tentatives restantes par jour, en quotidienne. Et donc, il y a Catherine qui a une quête pour nous. Donc on a ici les... ça parle de Géosaur. Ok. Donc en gros ça va être nous qui allons nous en occuper. Donc il faut faire des missions, enfin des sortes d'expéditions, vous allez voir. Du coup ça va se présenter comme ça. C'est à côté des expéditions de base. D'ailleurs il faut que je les relance, les miennes après. Mais voilà, vous allez avoir des tentatives. Pour les faire et va falloir déclencher une enfin il y aura une expédition punitive à chaque fois et il faudra les éliminer hein. Bon, on se met de ça, on en reparlera, je referai une vidéo au moment où on pourra le faire. Donc il y a des expéditions et ils vont donner des bonus, des récompenses hein. Il y a des missions qui vont donner beaucoup plus de primo que d'autres. Donc il va falloir les lancer hein, pour pouvoir récupérer toutes les primos, etc. Donc là, on va lancer... Alors il n'y a pas plusieurs régions, il n'y en a qu'une seule à chaque fois. C'est toute la map, enfin toute la map de l'IB, vu que ça parle de Géosaur. Donc on va lancer la mission numéro 2, et vous allez comprendre un truc, c'est qu'il y a les soutiens. Donc il y a des persos qui vont être boostés, parce que ça va être en fonction de la quête. Et du coup, l'élément recommandé feu et foudre. Si on regarde celle-ci, on est sur du foudre et terre. Donc, déjà, le mieux, ça va être de partir avec un perso. À partir avec un perso. Et on a aussi des probabilités de récompense. Et donc, vous pouvez obtenir les récompenses bonus. Hein, la probabilité de récompense bonus. Donc, les récompenses là, vous allez les obtenir. Mais il y a des. Ça, par exemple, c'est en bonus, tout simplement. Et donc, la probabilité d'obtenir une récompense dépend des personnages déployés pour la mission. Atteignant une probabilité de 100%, la récompense bonus est garantie, etc. etc. Donc, ça va dépendre des persos, du niveau qu'ils ont, etc. Et donc, vous voyez qu'à chaque fois, bah, on a des compos, on a de l'or, ici des bouquins, voilà, les compos d'armes, des pierres pour XP les armes, etc. Donc vous avez plein de trucs comme ça, mais à chaque fois c'est le bonus. Les primos sont garantis, donc ça c'est cool. Par contre, il faudra aller bosser forcément les quêtes S. Bah, là, il y a les primos qui nous intéressent. Donc on va pour lancer les persos. Là, j'ai deux persos. Hop. Et le soutien, si je veux, je peux en mettre. Hein, parce que simplement, ça va dépendre des persos, des alliés. Donc là, je peux voir les persos qu'ont mis mes alliés dans leur fiche. Donc déjà, on va lancer ça. Hop, voilà. Et pour parler de ces personnages-là, c'est justement alors. Hop. Du coup, en triant les indices, on récupère et on va pouvoir faire localiser les géosaures pour faire l'expédition punitive. Donc c'est mis à jour quotidiennement. Enfin voilà. Donc là, on est parti pour mener l'enquête. Donc ça va nous permettre d'obtenir les récompenses de la petite quête. Donc, je vous parlais tout à l'heure, c'est justement vos persos à vous. Quand vous faites, si je dis pas de bêtises, ici modifier la fiche. Vous allez pouvoir mettre vos persos là. Si vous regardez du coup vos amis, ils vont faire la même chose. En cliquant sur l'image, on voit tous les persos qu'ils ont. Voilà, tout simplement. Donc on voit un peu les persos qu'ils ont attribués. Et donc là, ça va prendre de l'intérêt pour cette quête-là. Simplement parce que du coup, ça nous permet de les mettre en soutien. Donc on est reparti. Expédition. On va en mettre une deuxième. Donc vous voyez que ça m'a consommé une entrée. Donc là, j'ai lancé la S, même si la récompense bonus m'intéresse pas beaucoup. Là, on va aller chercher déjà celle-ci. Bon, il faut aller chercher les plus élevées à chaque fois, hein. Mais commencez par celle-ci, par la plus élevée. Comme ça, au moins, vous pouvez mettre les plus forts persos. Parce que vous voyez que du coup, Klee et Bedou ne sont pas disponibles ici. Ce qui est peut-être... Non, c'était Feu et Foudre aussi là-bas, donc c'est good.
Donc là, on va mettre un perso comme ça, on va mettre un perso en soutien, 90. C'est pas mal, on est déjà à 100%. On peut. Ah, on peut pas lancer parce qu'il me faut deux membres requis ou plus. J'avais pas vu le requis ici. Et ben, on va lancer un petit perso bas level. Voilà, comme ça, c'est lancé. Ensuite, ici, bah, c'est 15, hein, 15 primo, on va pas cracher dessus. Foudre, éther, et ben, on est parti, 64%. Après, là, j'ai qui d'autre? Bah, il y a. La petite catching de Shadow, on va la récupérer. On est déjà à 100%. C'est pour ça que du coup, avoir des alliés est très important là-dedans. Il faut envoyer deux membres, on les envoie. Ensuite, qu'est-ce qui m'intéresse pas ici? Il y a ça, ça, ça. Je crois que ça m'intéresse plus que le reste. Donc, on voit un peu les l'heure et tout ça que ça met. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien les faire rapidement. Parce que du coup, ça va se réinitialiser les tentatives le lendemain, mais voilà, il y aura quand même le timer des personnages, donc faut prendre ça aussi en compte qu'ils soient de retour à ce moment-là. Alors, glace, bah, c'est très bien, 90% d'un coup. Oh, voilà, bon, hop, je vais pas mettre tous mes persos parce que justement, si demain j'en ai besoin, tac, hop, là on va mettre un allié et on est à 100%, on lance. Voilà. Et donc là, j'ai lancé mes 4 trucs. Et donc, bah, il faudra que je revienne pour récupérer les récompenses. Et on fera, je ferai la vidéo sur l'expédition punitive quand elle sera disponible. Voilà. En tout cas, petit event assez sympathique. Là, au total, ça fait combien? Ça fait 60 primos. 60 primos avec ces expéditions. Donc bon, voilà. Je sais pas si une fois qu'ils sont revenus, on peut les relancer. Ça, c'est faudra que je vérifie. Mais tentative quotidienne, je pense pas. C'est pas comme ici où il y a une limite. Là, c'est une tentative quotidienne, ils précisent bien. Donc, je pense que c'est on pourra en lancer que 4 par jour. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien. Je pense qu'il faut bien choisir. On peut pas toutes les compléter. Même si ça revient dans 8 heures et que je les récupère, faudra quand même que. Enfin, je pourrais pas non plus les lancer tous, hein, je pense. Hein. On verra bien, mais non, je pense pas. En tout cas, si vous l'avez déjà testé, ça, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Voilà, donc on se récupère, on se retrouve la prochaine fois sur l'expédition punitive, voir un peu comment ça fonctionne. Et voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et bah, je vous remercie d'avoir regardé. Allez, ciao tout le monde!